La princesse Béatrice et la princesse Eugénie partageraient un lien étroit avec leur cousin, le prince Harry. Quelques jours seulement après que les mémoires explosives du duc de Sussex, publiées le 10 janvier, ont fait exploser les tensions déjà existantes avec la famille royale, la princesse Eugénie et la princesse Béatrice ont repris leur horaire de travail. Les deux filles du prince Andrew et de Sarah Ferguson ont toutes deux entrepris un travail en solo, quelques jours seulement après la sortie de Spare. L'aînée des deux sœurs, la princesse Béatrice, 34 ans, a assisté au Forum économique mondial, tandis que la princesse Eugénie, 32 ans, a ouvert un nouveau centre musical et sportif dans un lycée. Point. Suite à l'apparition d'Eugénie, l'école de Wilson a déclaré à propos de l'ouverture, qui a eu lieu la semaine dernière. Nous avons été ravis de célébrer mardi l'inauguration de nos nouvelles installations musicales et sportives au Britain Center, en présence de Son Altesse Royale la Princesse Eugénie. Il convenait d'accueillir un descendant direct du roi Jacques Ier, qui a autorisé Edward Wilson à fonder notre école en 1615, en cette occasion très spéciale. La grande ouverture a marqué l'aboutissement du projet de construction le plus ambitieux de l'histoire récente de l'école. Point. La princesse Béatrice a assisté au Forum économique mondial lundi. Après sa visite, le docteur Anjoulam Yassine Bey a partagé une photo d'elle-même et de Béatrice, sous-titrant la photo avec la famille royale et l'activisme, la princesse Béatrice. Les deux sœurs sont mentionnées dans les mémoires du prince Harry. Harry documente les rencontres d'Eugénie avec certaines de ses petites amies, notamment avec sa femme Meghan Markle.